comme vous pouvez le constater, c'est la fête. C'est la fête pour les militants de la ZANU-PF qui sont sortis de la salle de conférence où était donnée lecture des résultats de cette élection présidentielle, de ces élections générales. Et donc là maintenant, ils sont en train de fêter, ils fêtent la victoire de leur candidat Emmerson Mnangagwa qui a été donc élu président de la République avec 50,8% des suffrages valablement exprimés. On peut le voir, on peut donc partager la joie de ces militants qui se sont battus pour porter leur candidat et qui sont aujourd'hui donc parvenus à la victoire. Ils célèbrent encore et encore, c'est la fête chez la ZANU-PF et voilà, et ce sont les élections et c'est comme ça. On va tenter de prendre une réaction. Hello, hello, we want to know why you people are dancing today. So President Emmerson Mnangagwa is the president of... Every day is our day. The president we have just voted for into power has got 34 attempts on his life. And I want to tell you, this is not an ordinary president. He is a spiritual person which was given to Zimbabwe by the Almighty God. The mining sector is supposed to be improving very soon. All those queues on the banks are going to be a thing of the past. For us, the artisanal miners, the informal sector, it is now going to be business as usual. The only thing that I can say to the ONDC is we are one family. This is not for us, ZANU-PF, but it is for us, Zimbabwe. Let's unite and let us work forward with our economy. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Alors, vous venez donc de suivre un militant de la ZANU-PF et celui-ci, évoque les raisons pour lesquelles le président Emmerson Mnangagwa a été élu président de la République. C'est un envoyé de Dieu, on a pu l'entendre de sa voix. Et il tient à préciser également que l'enjeu maintenant, c'est le rassemblement autour du président de la République, le rassemblement pour qu'effectivement celui-ci puisse dérouler son programme de campagne. Et c'est toujours, toujours assez festif ici devant l'hôtel. L'hôtel qui abrite, bien sûr, qui a abrité les différentes conférences de presse de la commission électorale indépendante du Zimbabwe. C'est la fête. Voilà les militants de la ZANU-PF. C'est immense, il y a des questions ici, de redonner un peu de... Tu en es où? Tu en es où?
Restez simple.